Bonjour à toutes et à tous, lundi 8 juin. Bien, une nouvelle semaine qui commence et voilà, on sort doucement des énergies de la pleine lune. On va se diriger vers un nouveau cycle hein, qui commencera donc le 21 juin avec une nouvelle lune le 21 juin et une pleine lune le 5 juillet. Mais là, on bénéficie d'une semaine, on va dire, un peu plus d'une semaine d'ailleurs, hein, puisque la nouvelle lune n'aura lieu qu'en fin de semaine prochaine. On bénéficie d'un petit temps qu'on pourrait qualifier de temps de repos, de temps de... Alors, quand on dit repos, c'est plutôt un temps de digestion. Hein. La pleine lune a beaucoup, beaucoup amené de prise de conscience, de... Voilà, sous toute forme. Des prises de conscience confortables, des prises de conscience, peut-être pour certains d'entre vous, un petit peu moins confortables. Du coup, bah voilà. Donc, on a cette semaine, on l'a vu sur les... si vous n'avez pas encore eu le temps d'aller voir, je vous encourage à aller voir la vidéo que j'ai sortie hier sur les énergies de la semaine, signe par signe. Alors, comme je le dis, c'est un petit focus, hein, c'est un petit aperçu, ça ne se veut pas du tout exhaustif. D'abord parce que, comme je le répète tout le temps, moi, j'aborde les signes de manière vibratoire et non pas de manière astrologique pure. Je ne suis pas astrologue, clairement. Donc, c'est une autre vision que vous allez voir. C'est très complémentaire, mais ça ne remplace en rien le tirage d'un astrologue. Mais c'est une signature vibratoire, chaque signe a une signature vibratoire et c'est toujours intéressant d'aller voir un petit peu ça. Voilà, donc ça c'était hier soir. Aujourd'hui donc on se retrouve là, on se retrouve à 9h55 en live pour un tirage sur Instagram et on se retrouve en fin de journée pour une vidéo sur la chaîne YouTube. Je ne sais pas encore ce que ce sera. Voilà, j'ai pas encore reçu l'inspiration des guides, mais ça promet d'être comme d'habitude extrêmement intéressant. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Bah c'est tout. Oui, très très bonne nouvelle. Vous m'avez fait beaucoup de demandes, donc j'annonce officiellement que je réouvre les consultations sur Paris. Donc les cabinets parisiens réouvrent à partir de vendredi prochain, vendredi 12. Alors, je vais consulter sur Paris, je reprends les bonnes habitudes, les vendredis, samedi, dimanche. Ça peut être jeudi, en fait non, c'est les jeudis, vendredi, samedi, dimanche. Donc voilà, donc ça c'est des consultations en direct, en live avec moi, avec Monsieur Lino aussi qui est là, pour celles qui ont eu la chance d'en avoir, de venir, vous le savez. Donc si vous êtes intéressé par une consultation privée avec moi en visu, où on se voit, ce qui est quand même, c'est vrai, c'est très bien les consultations à distance, mais c'est une autre démarche, encore une autre démarche, eh bien, vous m'envoyez un mail en me disant consultation à Paris, et puis on regarde ce qu'il y a. Alors, ne tardez pas, parce que c'est vrai que je ne fais pas ça toute la journée, très clairement. Hein, je fais ça de manière extrêmement, on va dire, tranquille. Je laisse du temps avant et après la consultation. Enfin, voilà, hein, c'est quand même un moment d'échange. J'aime qu'on garde ce moment d'échange ensemble. Donc, du coup, voilà, je fais ça... C'est en mode posé, c'est un moment privilégié pour moi, hein, ce moment de connexion avec l'univers, avec vos guides, avec les miens. Donc si ça vous appelle, je sais qu'il y a quelqu'un qui m'a demandé de l'info hier déjà aussi, on avait demandé. Donc ça reprend vendredi prochain. Alors là, il n'y aura pas jeudi parce que j'avais déjà des choses de prévues, mais vendredi 12. Donc vendredi 12, samedi 13, dimanche 14, je peux vous proposer des consultations à Paris. Voilà ce qui est ouvert pour l'instant. Comme j'aurais ouvert à la dernière minute, ben voilà, si vous êtes, voilà, c'est vraiment l'occasion là, si vous avez envie d'avoir une consultation rapide avec moi en direct, ben profitez-en parce qu'après ça va se remplir très vite, je vais réouvrir les calendriers pour tout le mois de juin et tout le mois de juillet. Voilà. Donc voilà, c'était les infos. Et sinon, ben évidemment, consultation à distance, hein, toujours, hein, ça n'a pas changé. Alors, on y va, c'est parti pour les messages de vie. Ça va être un message à la fois pour aujourd'hui et puis j'ai l'impression aussi que ça va nous colorer un petit peu la semaine comme d'habitude. Hein. On va aller voir un petit peu ce que Sananda, les guides et l'univers a envie de nous donner. Voilà, la carte est sortie pour aujourd'hui. Hop là. On va les ramasser. Bon, j'ai rangé un peu mon bureau hier, mais c'est pas encore ça. Hein. C'est pas encore ça. Toc, on y va. L'alchimiste intérieur. Ah ah, je crois qu'on l'a déjà eu celle-ci. Elle sort souvent celle-ci. Alors, on nous dit, je dois créer ma propre lumière par des pensées, des paroles et des actions justes et claires. Je crée mon bonheur. Tel l'alchimiste, j'ai en moi tous les pouvoirs nécessaires à la construction d'une vie remplie de joie et d'harmonie. Je travaille d'une façon positive car c'est à moi maintenant qu'il revient d'utiliser toute cette magie intérieure pour me transformer, à moi de faire mes pas. Ok, je sais qu'on l'avait déjà eu
Mais là, elle revient, mais elle a un nouveau message à nous donner. Ce qu'elle vient nous dire pour aujourd'hui, puis aussi, ça va être un petit peu la couleur de la semaine, et je ne suis pas très, très surprise, en fait, en vrai, je la trouve très juste, c'est que, au regard de ce qui s'est passé avec la pleine lune, que vous ayez fait le soin ou pas, hein, peu importe, hein, peu importe que vous ayez fait des soins avec moi ou avec quelqu'un d'autre, hein. Cette pleine lune, elle a agi quoi qu'il arrive, elle a ouvert des portes, elle vous a apporté, elle a, comme je dis, pour ceux qui étaient sur le groupe, elle a téléchargé des réponses, des très belles réponses, mais comme si elle avait téléchargé de l'information auquel vous n'aviez pas encore accès. Cette pleine lune vous a permis, enfin ce couple nouvelle lune, pleine lune, hein, nouvelle lune qu'il y avait eu en mai et pleine lune de début juin, vous a ouvert vers un nouveau cycle. Et aujourd'hui, on vous dit, c'est à toi, maintenant que cette information, ces compréhensions, ces levées de blocage ont été téléchargées, eh bien c'est à toi d'aller regarder, d'aller dans la matière, expérimenter, comment tout ça se met en place et comment tu l'expérimentes de façon extrêmement positive et joyeuse. Donc là, c'est vraiment aujourd'hui, je passe à l'action. Voilà, je rentre, je retourne dans la vie et je retourne dans la vie confiant, en m'appuyant sur ces ressources que j'ai, même si j'en ai pas encore tout à fait conscience. Et surtout même si j'en ai pas encore tout à fait conscience. Parce que dans je crée ma propre lumière, hein, les pensées, les paroles, les actions. On nous parle bien d'action. Donc aujourd'hui, Sananda a vraiment envie d'insister pour vous que c'est une période, là, on rentre dans une période, là, et aujourd'hui aussi, pour passer à l'action, donc pour poser des actions, quelles qu'elles soient dans tous vos domaines de vie, mais des actions extrêmement justes pour vous, hein, c'est-à-dire c'est des actions qui sont faites avec votre cœur, donc ça peut être aussi, ça pourrait être aussi, me dit Sananda, pour certains d'entre vous, de poser des noms. De poser des stops. Il y a un truc que j'avais vraiment besoin de vous dire, comme dit Sananda, parce que ça, c'est assez mal vu. Vous avez le droit de changer d'avis. Souvent, vous savez, les gens vous disent « Ah bon, mais t'as changé d'avis, t'avais pas dit ça ou t'avais dit autre chose. » Bah oui, mais l'humain est ainsi fait qu'il a le droit de changer d'avis. Il a le droit de dire blanc un lundi et dire noir le mercredi. Alors souvent, les gens vont vous dire « Bah oui, mais t'es instable, tu sais pas ce que tu veux. » Mais je crois qu'on a tout à fait le droit de pas savoir ce que l'on veut. La limite de ça, c'est l'engagement que l'on prend dans ces relations avec les autres. C'est pour ça que je vous dis tout le temps, dans vos relations avec les autres, quels qu'ils soient, respectez... mon oreille gauche siffle, donc c'est très bon signe. On parlait toujours des oreilles. Moi, j'ai calibré quand ça siffle à gauche. C'est très bon signe quand ça siffle à droite. C'est moins positif, mais là, ça siffle très fort à gauche. Quand je dis, vous avez le droit de changer d'avis, ça a sifflé. Les guides, là, c'était pas les lumières ce matin, parce que vous voyez, quand on fait live, il y a les lumières, mais là, ce matin, ça siffle. Le corps est un magnifique outil. On vous dit, vous avez le droit de changer d'avis. La seule limite à votre changement d'avis, c'est quand vous prenez vos engagements avec les gens, de savoir si vous changez d'avis, prévenir les gens suffisamment tôt et leur expliquer sans se justifier, hein, on fait la différence entre justifier et expliquer, et puis pas prendre des engagements au-delà de ce qui est raisonnable pour vous, c'est-à-dire ne, par pitié, si je puis me permettre, me dit Sananda, ne prenez pas en charge les autres. Alors évidemment, sauf vos enfants, évidemment, hein, on est bien d'accord, vos parents, enfin des gens qui seraient en fragilité et dont vous auriez la responsabilité. Mais je vous parle entre adultes. Quand vous êtes dans une relation d'adulte, que ce soit en amour, que ce soit en amitié, que ce soit dans le travail, ne prenez pas en charge les autres. Chacun est responsable de son propre bonheur, de l'organisation de sa propre vie. Parce que si vous faites ça, hein, par pure bienveillance et altruisme, et quand on est altruiste, bienveillant, quand on est complètement tourné vers les autres, c'est un risque qui peut arriver. C'est d'un moment donné de prendre la charge. Quand je dis prenez pas en charge, c'est vibratoirement et émotionnellement. C'est-à-dire qu'aussi difficile que la vie puisse être pour les gens, il y a un moment où vous pouvez donner un coup de pouce, vous pouvez donner un coup de main, vous pouvez donner un soutien, mais vous ne pouvez pas, les gens ne peuvent pas venir se réfugier auprès de vous pour que vous puissiez les prendre en charge. Parce que si vous faites ça, eh bien vous en oubliez vous. Donc, vous en oubliez. Sauf si c'est dans le cadre de votre travail, si vous êtes travailleur social, assistante sociale, enfin peu importe, même thérapeute, évidemment, pendant l'heure. Mais voyez bien que là, quand vous êtes thérapeute ou comme moi, coach spirituel, quand les gens viennent demander de l'aide, d'abord, c'est un échange. Hein, contre une aide, contre un soutien, un message, une consultation, il y a un paiement. Donc, c'est un échange de quelque chose. Les gens viennent, ça commence à telle heure, ça se termine à telle heure, ils ont payé, ils s'en vont. Vous voyez, c'est pas ça, prendre en charge. Non, prendre en charge, c'est quand vous êtes complètement éponge et que
vous prenez à votre propre compte la responsabilité de la situation des autres. C'est-à-dire que quelqu'un dans une situation difficile et que vous prenez, que vous vous sentez d'un seul coup parce que vous n'avez pas... C'est pas l'autre hein, qui est responsable de ça. Hein. C'est vous qui, à un moment donné, pas, ne savez pas dire « Ah non, stop, moi maintenant ça s'arrête là, je veux bien t'aider, je veux bien te soutenir, je veux bien... » Mais ça s'arrêtera là, je ne prendrai pas la responsabilité vibratoire. Et si vous tombez sur des gens qui essaient de vous imposer ça, parce que parfois vous pouvez tomber sur des gens qui essaient de vous pousser à les prendre en charge, parce que si jamais, ben voilà, à un moment donné, ça marchait pas, ce serait plus facile pour eux de dire « Ah ben non, mais c'est ta faute, tu m'avais promis, tu m'avais dit, gna gna gna, j'ai fait ça pour toi. » Vous voyez, on entend beaucoup ça. Ou, avec tout ce que j'ai tout fait pour toi, j'ai tout fait pour toi, avec tout ce que j'ai fait pour toi, non, non, non. Ça, c'est extrêmement culpabilisant et c'est vous demander de prendre en charge ça. Et c'est ça qu'on vous dit aujourd'hui. On vous dit « Attention !» Hein, à la culpabilité, parce que ça va vous faire revenir dans des zones qui ne sont pas des zones d'amour. Donc, il faut vous protéger de ça. Donc, dire un grand oui à la vie, poser vos actions, mais poser vos actions avec M. Lino qui vient dire bonjour, mais c'est une bonne nouvelle, au bout de 10 minutes, bonjour tout le monde. Posez vos actions, mais pas des actions. On vous invite à poser des actions où vous ne vous mettez pas en situation d'être responsable de l'autre. Hein, encore une fois, en dehors de vos enfants s'ils ont encore besoin de vous, évidemment, votre vos parents s'ils sont en fragilité, on est bien d'accord. Votre conjoint, si c'est toutefois ce que vous avez choisi. Mais en amour, je conseille, c'est pas quelque chose qui est trop conseillé par l'univers de prendre en charge l'autre. Donc, il y a vraiment cette notion d'alchimiste intérieur, et c'est ça, hein, attention là, hein, passer à l'action, bah oui, ça va être capable de dire non, ça va être capable de dire, bah non, ça je peux pas faire, ou ça j'ai pas envie, ou ça c'est pas ok pour moi. Et puis, c'est pareil en amour, hein, je crois qu'on ne peut pas justifier des sentiments amoureux. On est amoureux ou on l'est pas, on éprouve des sentiments amoureux, on n'en éprouve pas, ça ne s'explique pas, ça ne se justifie pas, c'est comme ça. Voilà, ça, c'est-à-dire, il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là, et c'est pour ça que dans des histoires d'amour, on vous dit tout le temps, restez autonome, restez complètement autonome, restez complètement indépendant pour ne pas vous mettre dans des pièges de dépendance, voilà, hein, de dépendance affective, de dépendance matérielle, de ne pas vous mettre en position de dire, bah oui, mais je le quitterai bien ou je la quitterai bien, mais tu comprends, sans moi, qu'est-ce qui va devenir, qu'est-ce qu'elle va devenir. Voilà, c'est... Alors, si vous êtes dans une relation comme ça avec quelqu'un, eh bien, et que vous envisagez de couper cette relation, que ce soit en famille, dans le travail ou autre, eh bien, passez un peu de temps là pour essayer de permettre à cette personne de redevenir autonome. Hein, et puis le moment venu, hein, évidemment, ne la lâchez pas du jour au lendemain comme ça, mais passez du temps pour l'aider à redevenir autonome, travaillez avec elle là-dessus. Et puis le moment venu où cette personne sera redevenue autonome, eh bien, vous pourrez reprendre votre chemin de vie. Et puis surtout, vous ne vous remettrez plus jamais dans des relations comme ça. C'est très important, vous ne pouvez pas être aligné sur vous si vous n'êtes pas, si vous êtes en permanence en train de vous préoccuper quand je dis se préoccuper, c'est pas se préoccuper parce que c'est même pas le mot, c'est bien sûr qu'il faut se préoccuper des autres, qu'il faut être altruiste, aider, soutenir, mais ça ne doit pas être ça ne doit pas passer, ça doit rester dans un cadre. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ça ne doit pas vous empêcher. Voilà, c'est possible de le faire si ça ne vous empêche pas de pouvoir vous exprimer vos talents, vos désirs comme vous voulez, d'être libre de changer d'avis, de garder une certaine autonomie et liberté. Parce que le chemin de l'éveil spirituel, c'est ce chemin-là. C'est un chemin où on se laisse tellement porter par son cœur qu'on va se laisser porter par ce que j'appelle des élans de vie qui font qu'un jour, on peut avoir envie de faire un truc et puis le lendemain, c'est moins juste. Voilà, et on s'aligne en permanence comme ça. Et là, c'est ça qui vous est demandé de faire avec l'alchimiste intérieur. C'est ça tout le travail de cette semaine, c'est de se dire... je vais me centrer sur moi, donc c'est pas ça à l'action, mais c'est surtout, de toute façon, on a fait l'alignement, l'acceptation, ben maintenant il y a la responsabilisation, hein. L'acceptation c'est aussi la responsabilisation, c'est tout le sens de cette vidéo, c'est la suite logique des vidéos que j'ai sorties vendredi et samedi, hein, qui étaient assez fondatrices, hein, de cette 5D. La responsabilisation, c'est que vous, il y a un moment, chacun est responsable. Quand je vous parle entre adultes, hein, on est bien d'accord. Mais chacun est responsable de ses choix de vie et d'en assumer les conséquences. Ne pas absolument pas venir demander à l'autre de les assumer à sa place. Ça, c'est pas possible. Et donc, quand on décide de créer une relation avec quelqu'un, qu'elle soit professionnelle, amoureuse, amicale ou peu importe d'ailleurs, hein, eh bien, chacun rentre
entre adultes encore, on est d'accord, chacun rentre dans la relation en prenant ses responsabilités de ce qu'elle va y trouver, de ce qu'elle n'y trouvera pas, de ce qu'elle est en droit de demander, bien sûr, et ce qu'elle n'est pas en droit de demander, hein, ce qui à un moment donné ne pourra pas vous donner l'autre. Et ça, c'est vraiment OK d'être là-dedans, et c'est très important, même si, et surtout si, d'ailleurs, hein, surtout si vous savez qu'aujourd'hui, ça va résonner fortement chez vous, tout le monde ne sera peut-être pas concerné par ça, mais si à un moment donné, vous savez, ah ouais, mais si je fais ça, ça va le blesser, la blesse. Bah, si à un moment donné, de vouloir garder votre autonomie, de pouvoir garder votre liberté d'action, de vouloir garder votre droit de changer d'avis, de vouloir garder votre droit d'être qui vous êtes, de rayonner, eh bien, ça froisse en face, bah, c'est que ce n'est pas la bonne personne pour vous. Voilà. Quelqu'un qui est pour vous ne viendra jamais vous empêcher de réaliser qui vous êtes. Et ne viendra jamais vous dire, ah ben non, mais non, attends, ok, ah ben non, mais tu peux pas faire ça parce que je suis là, ah ben non, mais t'as pas le droit, ah ben non, mais c'est pas possible, ah ben non, mais dis-moi, ou ne pourra pas vous exiger de vous que vous lui donniez des réponses sur des choses sur lesquelles vous n'en avez pas encore. Vous savez, c'est tous ces gens qui vous disent, oui, mais après, stop. Vous avez le droit de dire stop, vous avez le droit de dire je sais, mais vous avez le droit de dire aussi je sais pas, parce que les énergies vont tellement vite en ce moment que... on peut prendre des décisions, bien sûr, on s'engage. Moi, quand je m'engage, quand je vous dis, on va se voir le week-end du 11 et le 12, bah oui, le week-end est rempli, j'ai réservé la salle, on est là, là, c'est un moment. Mais je l'ai décidé pour moi, vous, vous avez décidé de venir. Donc, vous avez pris un engagement, j'en ai pris un vis-à-vis de vous. On a fait un partenariat qui fait qu'à un moment donné, chacun a pris sa responsabilité. Et bien, quand j'ouvre le cabinet de consultation, c'est pareil, j'ouvre le cabinet de consultation, je donne les dates, à partir du moment où des gens vont venir, je n'aurai les rendez-vous, c'est pareil. Et si on décale, on explique, on peut toujours... Mais sur le reste de votre vie, ne vous engagez pas en permanence, quoi. Parce que ça, je vois beaucoup ça aussi. Je vois beaucoup de gens qui se mettent sur le dos de la responsabilité de la vie des autres. Non, vous êtes responsable, c'est sur quoi vous vous engagez. Et vous avez le droit, dans certains moments de votre vie, de ne pas vous engager. De ne pas choisir de vous engager à minima. Hein, vous avez le droit d'être en passage de vie où vous dites, moi, je vais m'engager à minima parce que je ne sais pas, donc je ne m'engage pas au-delà de... Si vous rentrez dans une histoire d'amour, par exemple, vous pouvez tout à fait expliquer à l'autre que pour l'instant, bien, vous avez envie d'y aller piano-piano, quoi. Vous avez chacun chez soi, on se voit de temps en temps, mais je n'ai pas envie de vivre avec toi tous les jours. Enfin, ou alors, dire complètement l'inverse. Et c'est OK. Et après, chacun est libre. On est deux, chacun libre. Dans un travail, c'est pareil. Vous, à partir du moment où vous vous engagez à travailler pour quelqu'un, la personne qui est en face de vous va vous définir le poste de travail. Ça correspond à ce que vous voulez, c'est parfait. Ça ne correspond pas, il ne faut pas y aller. Il ne faut pas y aller en espérant faire changer l'autre, vous voyez. Parce que là, c'est à un moment donné, vous allez mettre l'autre en pression. Si vous acceptez un partenariat quel qu'il soit amoureux, ou si quelqu'un accepte avec vous un partenariat quel qu'il soit amoureux ou professionnel, et qu'à un moment donné, vous avez envie de sortir du cadre ou il veut sortir du cadre, eh bien, peut-être que des fois, ça marchera. Dans la relation amoureuse, ça peut marcher. Au début, on n'a pas envie d'être ensemble, puis après, on a de plus en plus d'envie d'être ensemble. Mais vous pouvez aussi tomber sur quelqu'un, ou êtes-vous quelqu'un qui dit « Non, mais moi, aujourd'hui, je n'ai plus envie de vivre au quotidien avec quelqu'un, j'ai envie aussi d'être un peu tranquille, j'ai envie d'avoir mon chez-moi, j'ai envie d'avoir mon autonomie, j'ai envie d'être libre. » Et voilà, quoi. Et ça, c'est de votre... La responsabilisation, elle va dans les deux sens. Votre responsabilité à vous, c'est d'être très clair sur ce que vous êtes capable de donner ou pas, et de dire qu'aussi, vous pouvez changer d'avis. Ça, c'est vraiment dire ça aux gens. Tu sais, il se peut que je change d'avis, surtout dans les sentiments amoureux. Dans le travail aussi, d'ailleurs, apparemment, on respecte ses engagements, on a le droit de se dédire. Enfin, apparemment, on est honnête et qu'on a... Voilà, on peut se dédire des choses. Et on pose le cadre. Et après... Et puis après, eh bien, l'autre en face, il accepte ou il n'accepte pas. Donc ça, alors ça sous-entend, on est bien d'accord, et vous l'avez compris, d'avoir un discours assez le plus clair possible. Mais je crois qu'on ne peut pas toujours savoir ce qui va se passer. Donc je pense que c'est intéressant de dire aux gens, attention, et c'est intéressant soi aussi, de ne pas se mettre en position de dépendance. C'est clairement ça. La responsabilisation, c'est je ne suis pas en dépendance. Voilà, je peux demander de l'aide. Il y a une différence entre aider et être dépendant. Hein. Ce n'est pas la même chose. Si vous avez été dépendant un jour dans votre vie physiquement parce que vous vous êtes cassé le pied ou la main, enfin, vous avez connu ça même momentanément, vous voyez bien la différence entre aide et dépendance. Hein. Demander de l'aide pour aller faire des courses parce qu'on est, bloqué, voilà, ou être obligé d'être dépendant parce qu'on ne peut pas bouger. Voilà. Donc voilà le message de la semaine. Donc cette semaine, c'est vraiment la notion de responsabilisation, mais pas que la vôtre. Hein, pas que la vôtre, parce que souvent les gens, j'aime pas dire les gens, parce que les gens c'est nous, souvent quand on vous parle de responsabilisation, vérifiez bien quand vous allez parler de ça avec les gens qui parlent bien de la leur aussi, hein, qui n'est pas que la vôtre. Oui, vous avez des responsabilités, mais les autres aussi ont.
Voilà ce que j'avais envie de vous dire, enfin ce que les guides avaient envie de vous dire pour commencer cette belle semaine. C'est une semaine d'action hein, quand même. Hein. Donc je l'avais dit la semaine dernière, tout ce qui est bloqué peut être mis en action cette semaine. Voilà, je vous souhaite une très très belle matinée. On se retrouve tout à l'heure à 9h55. Je vous embrasse. Et, ou alors plus tard sur la chaîne YouTube ou demain matin. Parce que je sais qu'il y en a qui ne me regardent que le matin. Bye bye.